Et bonjour à tous, ici Boufan, pour la partie finale de Pepper Peach. Et oui, elle est arrivée, il est temps d'aller affronter Bowser. Bowser, je suis là. Ne t'en fais pas, je ne t'ai pas abandonné. Magnifique pont. Il a un drôle de goût, Bowser. Bienvenue dans ton pire cauchemar. Tu devrais me remercier, Peach. Tu t'ennuies. Tu t'ennuies depuis si longtemps que je t'ai préparé un petit combat. Ah, c'est pour ça. C'est parce qu'il voulait le jeter qu'il a fait un pont moche. Tu es coincé maintenant. Tremble, mortel. Peach, sois prudente. Tu es tombé dans un piège. Tu oses prétendre être le héros? Toujours avec son chewing-gum. Tu croyais vraiment que nous allions te laisser sauver les esprits étoiles sans réagir? J'ai préparé une petite surprise, un appareil qui augmente la puissance de Bowser. Le roi Bowser est si fort que même la puissance des esprits étoiles devient ridicule. Il sera totalement invulnérable grâce à moi. Vous êtes prêts, mon roi? Alors boostez-vous! Waouh! La plateforme spéciale pour le combat! Avec une aura maléfique! Je crois que Peach est en train de dormir. Ah non, c'est bon. Oh! Il a triplé de volume! Oui, Kamikoopa, c'est incroyable! Ma puissance a littéralement explosé! Je peux enfin aplatir ce plombier boutonneux! Ouais, mais il est pas là! Mais d'abord, je vais m'occuper de toi! Et toi, Peach! Ça ne se passera pas comme avant. Tu vas souffrir. Ah, j'en ai mal à la gorge en fait. Allez, c'est parti. Ah oui, mais je peux pas faire ça en fait. Bam. Coup de marteau. Tu vas rien comprendre. Et l'indique. Ça serait pas Bowser le bouseux? Il a forci. C'est pas bon signe ça. Il a bien mangé ses spaghettis. Il a un paquet d'attaques de cracher des nuages de feu jusqu'au saut. Attaque de feu 8, coup de griffe 6. Je suis certain qu'il a d'autres attaques en stock. Le mystérieux appareil de Kamikoopa accroît sa puissance. Tu dois utiliser le rayon étoile. S'il utilise la baguette étoile pour accroître sa puissance. Oh, tu le savais déjà? Bah oui, je le savais déjà. Ouah. Ouah, 8 de PC, malgré la défense. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va continuer au marteau. Tu vas rien comprendre. Et du coup, je vous présente... Cooper. Eh, quand même, c'est le combat final, on va tous les faire participer. Quoi? Il est temps d'augmenter ma puissance à l'aide de la baguette étoile. J'ai la puissance entre mes mains. Non, tu vas voir. J'ai le rayon étoile. Tu n'as pas compris, Bowser. Tu es trop faible. Allez, c'est parti. Oh. D'accord. Imbécile, cette attaque faiblate ne fonctionne plus contre moi. Oh non, Peach, le rayon étoile ne marche pas. Mais c'est cool quand même. Peach, elle aime bien ça. Oh non, ma bonne Peach, ma sœur diabolique. Que faire? Vu comment ça se passe, Bowser va sûrement la vaincre. Au secours, je vous en prie, aidez Peach. Tu peux te déterre. Silence. Bam. Oh bravo Tincel, t'es trop cool. Oh princesse, ça va bien. J'arrive à la rescousse. Tincel, je suis si contente que tu ailles bien. Oh. Elle est chatouilleuse, Peach. Espèce de petit insolent, comment oses-tu bousculer une vieille dame? Waouh, c'était magique. J'ai eu peur là. Ah, imbécile, tu es trop jeune pour te battre contre moi.
Je n'ai pas peur de toi. Sois prudent, Tencel. Allez, la charge. Attaque. Pam. J'ai senti comme une brise. C'était ça, ton attaque? Pathétique. Elle est contente, Peach. Allez, méditation. Oh, Tencel. Faites qu'il triple de volume. Ah. Ah, ok. En fait, elle sait faire que apparaître des blocs. Ow. Allez, charge. Tu vas voir. Eh hey. Oh, espèce de petit. Alors comme ça, tu peux te battre. Eh bah oui, fallait pas l'énerver. Fallait pas énerver la princesse Étincelle. Ils savent se battre. D'ailleurs, c'est dommage, la princesse Peach était prévue, je crois, dans Super Smash Bros. 64. Avec Bowser aussi. Enfin, il y avait plein de personnages qui ont été annulés. Il y a aussi Dadidou. Et Mewtwo aussi, en plus. Enfin, il y avait plein de personnages dans Mario... dans Super Smash Bros. Premier du nom, qui ne sont pas apparus. Et qui, au final, sont apparus dans le deuxième. Sauf pour Dadidou et des choses comme ça. Mais je me demande qu'est-ce que ça aurait donné à un Super Smash Bros avec tous les personnages prévus à la base. Allez, Étincelle. Pam. Allez, Peach. Médite. Oh, je veux Peach en partenaire, elle est trop cool. Elle augmente la défense et l'attaque d'un point. Hé hé hé, moi je fais que apparaître des blocs parce que je suis trop nul. Hé hey, ça me fait plus rien. Ça n'est pas possible. Mais cette attaque ne fonctionne plus. Oh non. Je m'en souviens. Les étoiles tirent leur force des vœux des gens ordinaires. Les souhaits de Peach lui a donné une puissance incroyable. Non. Non. Bam. C'est fini. This is it. Oh, bravo, je vous ai failli. Bravo. Pas d'expérience pour Tencel. Oh. Oh oui, nous y sommes arrivés, Tencel. Sauvons Peach maintenant. Mais que faire? Je sais, princesse. Peach, faites un souhait. Comme vous l'avez fait pour moi, vous me donnerez les pouvoirs aux esprits étoiles. Pensez au royaume champignon, à Havre étoile, à Peach. Faites un vœu pour qu'il se réalise. Si votre cœur est assez pur, les îles donnera sa force aux esprits étoiles. Ok, Tencel, je vais essayer, avec une musique dramatique derrière. La musique de la dernière force, de la dernière chance. Je veux des champi-cakes, je veux des champi-cakes, je veux des champi-cakes. Non, c'est pas ça. Qu'y a-t-il, Peach? Tu es fatigué? Tu devrais t'entraîner un peu plus. Tu as pris un peu de poids. Tu as forci. Ah. Est-ce qu'il va... Il va dire à la princesse, « Eh, me donnez pas des claques dans le dos. » Oh, incroyable. La puissance afflue en moi. Noble esprit étoile, je ferai mon possible pour vous aider. Et vous, vous devez nous aider. Tencel, quelle surprise. La princesse et tout le royaume champignon nous prêtent leur force. Ensemble, nous pourrons rivaliser avec la puissance de Bowser. Allez, Peach, n'abandonne pas. Rayon magique. Ah, nouveau rayon étoile. Ça a l'air de faire plaisir à Peach. Le rayon étoile est devenu le plus puissant. Il s'est transformé en rayon Peach. Peach veut se servir du rayon Peach. Qu'est-ce qui se passe? C'est la réunion. Ah bah, tu vas voir. Tu vas voir, maintenant j'ai le rayon Peach. D'ailleurs, je crois que j'avais une place pour un badge en plus que je n'ai finalement pas mis. J'ai pas peur, moi. J'ai pas peur. Quoi? Non, le pouvoir de la baguette étoile s'est estompé. Eh oui. Allez, c'est parti. Bombinette, à ton tour.
Avec la musique la plus épique du jeu. Avec un remix à la guitare. Non, me donne pas des claques. Enfin, je me demande qu'est-ce que ça donnerait Super Smash Bros. Oui, j'ai plus besoin de faire ça. On va faire le super boost. Tu vas voir. Parce qu'en plus, je crois que Bowser, il est terrible. En attendant, par Akari, à ton tour. Piqué. Tu vas voir. Comme si ça me faisait quelque chose. Allez, le boost. Hé hé hé. Oui, donc du coup, je vais vous exposer bientôt le problème. Alors, on va se demander, pourquoi t'as fait intangibilité? Parce que Dame Bou, déjà, elle peut pas faire de dégâts. C'est terrible. C'est pour ça que Dame Bou, c'est triste, voilà. Elle peut pas faire de dégâts. En attendant, on va mettre Watt à ton tour. Et moi, je vais faire le super rebond. Ah, oh, mais j'y arrive pas, sérieusement. Aïe. Tu fais mal, Bowser. Parce que je vais vous présenter, s'il le fait, le problème du combat final de... c'était un peu bizarre. Le combat final... le problème du combat final de Paper Mario. C'est... C'est ça. Non, même pas. Non, c'est pas ça le problème. Ne vous inquiétez pas. Il viendra déjà en temps et en heure. Et je peux vous dire que ça me rend triste. Parce que tout simplement, une des attaques de la baguette étoile, ça enlève tous les boosts. Donc du coup, on peut pas faire comme Papy et se booster à l'infini. Et du coup, le one-shot. Parce que, à part en utilisant Dame Bou et en jaugeant les coups, ben, on peut pas. Tu vas voir, j'ai dos. Hé. Tu vas voir, l'attaque cheatée. Et voilà, j'ai perdu mes goûts de boost. Merci Bowser, je te déteste. Oh, Merli. Par contre, toi, je t'aime beaucoup. Yeah, Merli, elle a participé. T'inquiète pas, Mamie Sushi. Voilà. Mange ça. Le combat n'est pas encore terminé. Ouais, je vois. T'arrêtes pas de me spammer. C'est pas bien. Piqué, spammer. Allez, j'ai pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Aïe. Ah, je suis mal. Bisous. Bisous, bisous. S'il te plaît. T'inquiète pas, je suis là. Bisous, bisous. Allez, hop. 20 PC. C'est le meilleur champignon du monde. Ah, c'est bon, Sushi, elle est de nouveau contente. J'ai l'impression qu'elle est un peu penchée, Sushi. Je sais pas si c'est une pure impression ou quoi, mais... J'ai l'impression. Non, sérieusement, elle est penchée, Sushi. Elle est penchée, elle est pas comme ça d'habitude, elle est un peu plus sur le ventre. Je sais pas. Allez, rayon magique. C'est bon, il a fait l'attaque cheatée, alors je suis content. J'espère juste qu'il va pas faire le soin. Allez, fais pas le pri-pri, s'il te plaît. Tiens. Tiens, cadeau. Dans l'œil. Non, il a fait l'attaque cheatée. Bon, ça va, la Killester, il a pas été touché. Il est trop fort. Bravo, GG. De toute façon, on a besoin de vous tous. Et c'est pour ça, en fait, la technique, c'est soit spammer avec Watt. Et justement, Peach. Ou alors, utiliser Dame Bou, espérer qu'il fasse l'attaque cheatée. Et alors, bah sauver le boost. C'est pour ça, c'est assez hasardeux. C'est assez hasardeux.
J'aime pas trop. Bon, normalement, là, il va essayer de me one-shot. Donc, je risque pas grand-chose. Ça va pas? Non, mais... Alors... Dambou, tu peux me protéger par hasard? Tu peux me protéger. On va faire du coup le smack. Smack, bisous bisous. Encore? Mais tu abuses. Tu abuses de mon pouvoir, c'est pas bien. Et les autres, ils servent à quoi? Bah les autres, ils servent à rien. De toute façon, contre Bowser... Contre Bowser, il y a que... Il y a que smack et éventuellement étoile filante qui marche. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Je le savais. Espèce de méchant pri-pri. Ah mince, j'ai plus de... points en fait. Ah bah du coup, je suis un peu mal. Ah mince. Ah bah mince, il va me faire l'attaque cheatée sûrement. Non, me fais pas l'attaque cheatée. Non? Non, c'est bon. Non, ça va, il s'est protégé. Ah non, mais Bowser, je te place facilement dans les boss les plus pénibles à battre. Parce qu'il est pas difficile en soi. Il y a eu bien pire. Mais, quand même, les boss qui se soignent, et qui se soignent beaucoup plus que ce qu'on leur inflige, c'est énervant. Oh. Je crois que le rayon Peach marche plus tellement bien, il fait bugger l'émulateur. Alors, bah, on va retourner sur Watt, je pense. Allez, Watt! Parce que je sais pas trop quelle technique je veux faire. Voilà, il fait la technique cheatée. D'ailleurs, je sais même pas si c'est esquivable, ce truc. Je t'aime pas, Bowser. Parce qu'on peut pas se booster à l'infini, il se soigne... Et en plus, il rend en chaos les partenaires. C'est pour ça que je dis que Bowser, il est pénible. Il est pas difficile, mais il est pénible. Ah, zut. C'est pas beaucoup. Oui, et je crois, en tout cas, j'ai pas essayé dans aucune de mes parties, mais je crois qu'il est insensible à tout. Voilà, donc ça sert à rien d'essayer de le spammer. Enfin, ça sert à rien d'essayer de le... De l'électrocuter, de... Pas tout ce que vous voulez, ça sert à rien. Ou de le transformer en petite étoile. Ou perdez un tour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... En plus, Max, c'est celle qui demande le plus. C'est terrible. C'est terrible. Je n'aime pas ce combat. C'est mon combat détesté. Non, mais je sais plus si le combat dans Paper Mario et la Porte Millénaire, il est aussi pénible. Parce que dans celui-là, il est assez pénible. Je sais pas si je veux utiliser Dambou. On va attaquer, je pense qu'il va m'attaquer en retour. Ah bah voilà, je le savais. Je te déteste. Je te déteste, Bowser. Screw you. Die in hell, Bowser. Tu es terrible, je te déteste. Je te déteste tellement. Tu peux pas savoir à quel point je te déteste. Mais en plus, le pire, c'est que c'est un piqué spammeur. Il spam pour m'empêcher d'attaquer, mais il spam pour se soigner. Il fait partie des classes les plus pénibles, Bowser. Bon, en attendant, parlons des choses de la vie, vu que Bowser, il aime faire la technique cheatée, c'est-à-dire se protéger, m'enlever les boosts, puis attaquer. Allez, Watt, ne t'inquiète pas. C'est pour ça, j'ai pas de technique particulière. Faut le spammer. Voilà. Enfin, moi, je vous conseille de spammer.
On peut essayer de prédire avec Dambou, mais c'est assez compliqué. Voilà. Laisse-moi tranquille. Bon, à la prochaine fois qu'il va faire son coup de cheaté là de destruction d'ennemis, je commençais à me booster. Et je vais utiliser l'objet que j'avais, c'était le repousse gel. J'espère que ça va me protéger un peu. Mais regardez-moi ce piqué spammer! Il a récupéré toute sa vie, presque. Je te déteste, Bowser. Je te déteste tellement, mais tu peux pas savoir à quel point. Parce qu'au moins, dans les boss dans les RPG, au moins, une fois battus, ils sont battus, quoi. Ils ont plus de vie. Ouais. Hey, bien fait. Bien fait, dans ta face. Dans ta face, Bowser. En plus, il faut 3 tours pour lui remettre tous les dégâts que je lui ai mis. Entre temps, il va se soigner. Non, il est gentil. Oui, c'est ça, un peu gentil, mais pas vraiment. Je crois surtout qu'il me fait tourner en bourrique. C'est pas bien. Enfin bref. Bon, en attendant, parlons des choses de la vie. Bah, pas grand chose en fait. Si, peut-être, je sais pas quel let's play je vais faire après. J'hésite entre un jeu Wii U. Et je sais pas trop. Sinon éventuellement un jeu... Ah, tu fais l'attaque cheatée. Oh non, j'ai pas protégé Watt. Pauvre Watt. Alors là, je vais commencer à me booster. Tu vas voir. Normalement, je pense qu'il va pas m'attaquer avec l'attaque cheatée pendant quelques tours. Aïe. Mais non. Bowser, je te déteste, mais je te déteste tellement, tu peux pas savoir à quel point je te déteste. Bowser, tu fais partie de la... Enfin, Pepper Bowser, en tout cas, il fait partie de la même catégorie que Yoshi. C'est un personnage que je déteste pas, en soi, mais que, quand on l'a en face, on a tellement envie de le détester, mais tellement. Surtout qu'il va se soigner bientôt, là. Je te déteste. Ah bah non, il fait son attaque cheatée pour m'enlever mes soins. Ah, je te déteste, Bowser. Je te déteste, 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 je te déteste. Mais tellement je te déteste. Oui, moi je me soigne, mais moi c'est normal. Moi je suis le héros. Ah, 20 minutes le combat, c'est trop long. Bon, il a combien de PC encore? Il en a 25. Oh là là. Enfin bref, oui, j'hésite sur le prochain let's play. D'ailleurs, j'hésite à faire un Mario Party. Je sais pas si c'est une bonne idée. Si j'ai envie de faire un Mario Party, en fait. C'est pas que j'ai pas envie, mais... Oh, le saut est revenu. Ouais, mais maintenant, ça sert plus à rien. Je continue à spammer avec ça. Oh. Oh là là. Non, j'ai pas assez pour le détruire. Oh non. Sérieusement? Non. Non. Il va se régénérer. Non. Oh. Oh oui. Il est bête. Oui, il est bête. Oh là là. Il est bête, Bowser. Ouf. Enfin voilà, je peux vous conseiller que d'avoir de la chance, voilà. Alors si vous avez des pattes de lapin, si vous avez les pierres de la chance, voilà, ou quelque chose, un objet chanceux sous la main, ayez-le à côté de vous. Bon, moi j'ai rien sous la main, mais bon. Qui va finir le combat? Je sais pas si Dambou peut lui infliger quelque chose.
Ah, je sais pas. J'ai envie de lui d'envoyer Dambou, mais j'ai peur. Allez, j'espère que ça va le toucher. J'espère que j'ai pas fait ça pour rien. Oh non, mince. Bon, là, j'avoue, c'est moi qui ai fait le baka. Bon, ça va, lui aussi, les baka. On veut pas mieux l'un que l'autre, à ce que je vois. Bon, c'est pas grave. Allez, coup de marteau dans ton pied, parce que je t'aime pas. Die. Ouais, j'ai fait le combat avec... j'ai fini le combat avec Dambou, je suis content. Tiens, mange ça, Bowser. Oh non, Peach m'a encore vaincu. Il m'a encore vaincu. J'étais invincible. Je n'ai pas pu le vaincre. Non. Yay, cool. C'est cool, je suis content parce que j'ai eu Dambou. Ah non, mais d'habitude, vous ne finissez pas le combat avec Dambou. Heureusement qu'il est un peu baka, Bowser. C'est pour ça que je te déteste quand même pas, Bowser. Des fois, tu fais un peu le baka pour nous aider. Vous avez récupéré la baguette étoile. Yay. Wow. Oh, Peach. Bananana. Peach, que je savais que tu me sauverais. Merci, double maléfique. Maintenant, retourne en moi, parce que j'en ai marre. Oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne faisait pas partie du plan. Non, tu vas tous nous détruire, Bowser. À cause de tes plans, stupides. Oh, Kamikoupa, ça veut dire quoi, ça? Votre Majesté, le combat avec Peach était si intense que l'appareil a augmenté la puissance qui est en Gersolf. Il est cassé. Et sa puissance est en train de ressortir. J'en suis désolé, mais votre chasseur, les entendants même, sont sur le point d'exploser. Nous avons d'autres choix que fuir, notre Majesté. Quoi? Vraiment? Nous avons un gros problème. Fuyons. Trop tard. Ah! Et c'est ainsi que Bowser disparut dans d'atroces souffrances. Et que le roi Boo prit le contrôle de son corps. Et que depuis ce temps, on affronte tout le temps le roi Boo alors qu'on pourrait affronter Bowser. C'est pour ça que Bowser doit apparaître. Que roi Boo doit apparaître dans Super Smash Bros. D'ailleurs, les bouboules, elles passent à travers la bouche. C'est bizarre. Non, il va exploser! Ah! C'est la fin. Je suis désolé des gens, nous n'avons pas pu sauver Peach Bénéfique et Peach Maléfique. Oh, mais tout va bien. Heureusement, vous étiez tous là. Ah, tout est bien qui finit bien alors. Ouais. Tout finit bien. Tant mieux. Super. Ah, mais ce combat contre Bowser, il est intense. Tenez, baguette étoile. Oh, merci, Peach. Tu as réussi à récupérer la baguette étoile. Merci du fond du cœur. Nous t'en servirons pour... Nous en servirons pour amener la paix dans Hyrule. Oui, je voulais dire Hyrule. Nous pouvons enfin exaucer les vœux à nouveau. Tout ceci grâce à toi, Peach. En regardant le ciel, nous, la nuit, nous devons verrons briller en hommage à ton courage. Souviens-toi de notre gratitude éternelle. T'as vraiment écrabouillé cet ignoble Bowser. Quelle force! Je savais que t'y arriverais. Peach, nous savons tous à quel point tu t'es battu pour nous. Ça a dû vraiment être difficile et nous l'oublierons pas. J'espère que Bowser aura retenu la leçon et qu'il se tiendra tranquille dorénavant. Mais cela m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait de lui. Ah, t'es Midona en fait. Je ne savais pas que bon te remercier, Peach. Tu as redonné plein d'espoir à Havre Étoile et au Royaume Champignon. Nous t'en sommes éternellement redevables. Et moi, je vous suis redevable d'avoir créé le Roi Boo. Parce que sans vous, le Roi Boo n'existerait pas. Oh, allez. Bon, il est temps que nous allions à Havre Étoile. Toutes les étoiles doivent nous attendre. Il est temps de nous dire au revoir, Peach.
Il est temps de se dire au revoir, il est temps de se dire au revoir. Au revoir les esprits étoiles. Les plus pratiques partent en premier et les plus inutiles à la fin. Non, sérieusement, les trois derniers qui sont partis, c'est les plus inutiles, je trouve. Enfin, sans troller, parce que s'il y a des gens qui aiment bien, je suis désolé, mais c'est vrai que dans Paper Mario, ils sont pas très pratiques. Peach, j'aimerais te remercier. Et vous aussi, princesse. C'est un bonheur de avoir pu vous aider. J'espère que vous revoir un jour. Je vais devenir une histoire respectable pour exaucer les vœux des gens au cœur pur. C'est promis. Merci de m'avoir été étincelle. Tu es plus qu'un ami pour moi. Princesse Peach. Je dois y aller moi aussi. Merci pour tout, Peach. Je me souviendrai toujours de la princesse et vous. Au revoir. Nous allons enfin pouvoir fusionner pour être la vraie princesse Peach. Et cette tête de Dambou tellement motivée. Non mais en même temps, Dambou c'est mon personnage favori. Je devais absolument finir avec elle. Le plus pratique depuis le début du jeu. La plus pratique. Celui qui attaquait. Eh, hey, sympa. Lui, il est pratique à la fin si on n'a pas envie d'affronter les ennemis. Toi, je sais pas à quoi tu sers. Et toi, tu sers aussi à rien. Et Tincelle, toi, tu nous as aidés à la fin du jeu. Au revoir, Tincelle, on ne te reverra jamais. Car après Paper Mario Sticker Star, il n'y aura plus de place pour le RPG. Non mais c'est tellement triste que Sticker Star ne prend pas un RPG, enfin ne crée pas des vrais personnages comme dans les autres Paper Mario. Oh ça y est, c'est de cette manière que t'as récupéré la baguette étoile des cryptes Bowser. On dirait que cette autre aventure est complètement dingue. Tout est redevenu comme avant. Tu as surmonté toutes ces épreuves inimaginables. Je sais que tu es revenu depuis quelques jours, mais je parie que tu t'y crois encore. Tiens, en fait, les gens qui t'ont accompagné, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ah, mais tu sais, ils sont tous restés avec moi. Oh, Goumario, il est content. Il fait mumuche comme à l'époque. Ça doit lui manquer, l'aventure, quand même. Goumario! Ah, mince, c'est Cooper, c'est Parakari. Hey, Parakari, quoi de neuf? Je pensais que tu lirais le courrier à nouveau. Tu as raison, ce n'est pas une visite de courtoisie. Je t'ai apporté une lettre, Goumario. Elle vient de la princesse Peach. Oh. Hein? De la princesse Peach? Waouh! Je me demande qu'est-ce qu'elle m'a écrit. Lila donc, j'ai d'autres lettres à livrer. Parakari était devenu viril pendant quelques instants. Hey, Goumario, qu'a t'écrit? Qu'est-ce que t'as écrit, la princesse? Laisse-moi voir. Goumaria. De la balle, elle nous invite à la fête, au château. Je suis invité. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Trop de références à Mario CDI. Oh là là. Il est où, le Colorado? Je vais le taper. Il a encore disparu. Tenez, madame. Une lettre pour vous. Une lettre? Ah, ah, c'est pour du gâteau. Oh, c'est trop bien. Oh, ils se sont réconciliés alors. Parakari, comment t'as fait pour venir ici? Oh, mamie Sushi. Elle s'occupe des petits Yoshi. Oh, ils font encore des bêtises. Oh, mais ils ont l'air d'apprécier. Oh, mais mamie Sushi, elle doit être sympa quand même. Oh, ils sont de nouveau en couple. J'espère qu'elle l'a pas trop lynché. Parce qu'il a mis du temps pour revenir. Oh. Alors là, tu es là, Cooper. Tu as accompagné Colorado comme dans ton rêve. Bien, il est temps d'escalader la montagne menant au palace de cristal. Cooper, moi vieux. Tu vas nous guider. Ton expérience est vitale pour le bon déroulement de notre mission. Ouais, pas de problème, je connais cet endroit comme ma poche. Cooper! Pars pas si vite! Hein? Parakari? Qu'est-ce qui t'amène ici? Ah, je suis enfin arrivé. J'ai une lettre de la princesse Peach. Oh là là.
Ça va pas être pratique quand même, le bec... Enfin, si je peux dire bec... Le nez qui monte un peu en ovale, ça va être difficile pour lire les lettres. Oh waouh, c'est une invitation de la princesse à la fête du royaume champignon. Elle a été écrite par la princesse Lin... elle-même, avec sa signature et tout, géant. Oh, je dois surtout pas la rater, mais... Je peux pas abandonner cette expédition après la promesse au professeur Colorado. Je dois rester ici et... Oh, fiston, ne sois pas stupide. Il serait impoli de la part de refuser une telle invitation. Surtout que c'est la princesse Peach, quoi. Si tu refuses l'invitation, tu vas devenir ennemi suprême de la princesse. Sûr et certain. Je savais que vous me direz ça, professeur Colorado. C'est si gentil. Je suis pas sûr que ce que j'ai dit, c'était gentil. J'espère que vous vous débrouillerez bien sans moi. Je vais m'éclater. Ah bah, il est content. Oh, Colorado, j'ai un message également. Ne reviens pas à la maison, espèce explorateur à la noix, mort à rien de Marie. C'était un message de votre épouse. Colorado, je crois que vous avez mis sur pied cette expédition sans en parler à votre femme, n'est-ce pas? Elle était vraiment furieuse. Oh, Paracari, pourquoi tu m'as pas dit ça tout de suite? L'heure est grave, je dois rentrer chez moi à toute vitesse. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On va faire du ski? Ok. Oh, c'est cool. Hein? Je crois que j'ai entendu quelque chose. Je vais jeter un coup d'œil. Ah, Luigi. Fidèle frère. Un jour, tu auras ton aventure. Il faudra Pepper Luigi, la porte millénaire. Eh, hey, tu sais quoi, Paracari est passé pour inviter une invitation de la princesse Peach. Il a dit qu'il allait également. Alors il s'est envolé en disant qu'on se reverrait au château. Bon, on ferait bien d'y aller. Oh. Oh, comme au début du jeu. Oh. 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 Alors tout ça n'était qu'un rêve. Ok. Bien, écoute attentivement, Peach. Je vais partir devant. J'ai quelque chose d'important à faire. Quoi donc? C'est top secret. C'est Luigi's Mansion. Et oui, vous le savez, c'est Luigi's Mansion, le futur Let's Play. Oh, c'est mamie. Je viens d'arriver à Toadville. Quel trot, je me reposerai bien un peu. Koopa est en pleine forme, il est parti devant avec ses petits-enfants. Les jeunes sont partis avec Koopa. Koomaria est ravie. Ah, ma chérie, ha ha ha, les jeunes débordent d'énergie. Oh, bonjour, Peach. Je suis jamais venue au château auparavant. Je suis terrifiée. Je suis si nerveuse. Suis-je bien coiffée? Mais oui, ne t'inquiète pas. Oh, Carl Quiz. Désolé de ne pas avoir fait tous tes quiz. Carl-Quiz! Ah oui, c'est moi, Carl Quizer. Tu aimerais tenter un quiz? Non, je rigole. Amusons-nous comme il peut. Cœur. Ok. C'était très passionnant. On va parler aux personnages originaux et pas... Enfin, aux personnages originaux. Si, les Toadettes, elles sont originales encore, parce que... Bah, je sais pas pourquoi ils ont aussi supprimé les Toadettes. C'est un peu bête. Allez, toi... Toi, qu'est-ce que tu as à dire? Je n'ai jamais vu une vie aussi impressionnante. Waouh, Toadie, il est vraiment incroyable. Oh, Peach, waouh, salut, enchanté. Quand je rentrerai au campement de Sec-Sec, je dirai à tous mes amis que je t'ai vu. Oh, Papi Koopa. Qui est-ce? Est-ce Peach? C'est moi, Koopa Koot. Tu sais où trouver le château? Ça fait longtemps que je ne suis pas venu et je n'arrive pas à trouver l'entrée principale. Une fête, ouais, une fête, génial. Eh, hey, ça fait longtemps. Je me suis pas mal enrichi à la vente de badges. Alors je pense bouger dans une autre ville. J'ai envie de prendre la route maintenant, mais c'est une grande fête. Mon fils veut absolument s'amuser, alors on va rester un peu, je suppose. Ah, tout va bien qui finit bien, alors. Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Je prépare un joli bouquet de fleurs pour la princesse Peach. On dit qu'elles sont poussées par ce jour très très spécial. Oui, cette partie va être très longue, mais c'est pas grave. Je suis venu pour apporter des remerciements des habitants du champ des fleurs. Merci Peach, et merci encore. Oh, elle chante. Tralala, mi. Je suis si nerveux, je fais une erreur. Si je faisais une erreur devant la princesse? Mais non, t'inquiète pas, je sais que t'es doué.
Moi, je veux partir. Peach, où vas-tu? Je suis sûr que la princesse t'attend. Mais j'ai pas envie de continuer. Ça va être la fin du let's play. Colorado, tu n'es qu'un. Tu bouges tout le temps de gauche à droite sans te poser quelque part. Peach, tu sais que je t'ai envoyé... J'ai envoyé par Ikari le chercher? Je n'en peux plus. J'essaye de lui faire entendre raison. Salut, ma vieille. Tu es là pour les festivités du château? Moi, je ne m'intéresse pas trop. Mon cœur me pousse vers le palace du cristal. Tant d'auditeurs restent enfuis. Oh, comme j'ai envie d'y retourner. Tu comprends, ma vieille. Mais oui, je te comprends, Colorado. Tu es un explorateur de génie, après tout. Alors? Oh, il y a des bouts. Coucou. Je suis venu ici pour voir Dambou dans toute sa splendeur. Je sais que la princesse Peach est jolie, mais Dambou l'est encore plus. Et t'as jamais eu raison. Oh, Peach, comment as-tu des envies de meurtre? Je rigole. Je te déteste tellement. Je te déteste tellement. Oh, Yoshi. Oh, c'est Peach. Merci encore pour ton aide. Tu veux savoir comment je suis venu? En volant. En faisant un mi-ami avec une balette qui m'a transporté. La prochaine fois, je viendrai avec tout le village. Oh, c'est trop cool. Je te déteste tellement, mamie pingouin. Tu peux pas savoir comment. Peach, bienvenue au château. La princesse Peach sera bientôt ici. Et voilà, la princesse Peach. Bravo. Clap, clap, clap. Il faut clap, clapper. Bonjour tout le monde, je suis si contente que tout le monde soit réuni par ce jour de grâce. Voilà, j'arrive plus à parler, trop d'émotions. La baguette étoile a enfin été retournée à la vraie étoile. Et notre beau royaume est de nouveau en paix. Les étoiles brillent au-dessus de nos têtes, plus ardemment que jamais, preuve de leur éternelle gratitude. Peach, Goomario, Cooper, Bombinette, Parakari, Boo, Watt, Sushi, Lucky Lester, et tous les habitants du royaume champignon. Nous avons mérité la paix grâce à votre courage. Et je vous remercie du fond de cœur. Je souhaite que le royaume champignon connaisse une éternelle prospérité. Dommage que ce ne sera pas le cas avec Sticker Star. Car il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas de personnages originaux. C'est trop triste. Alors amusez-vous bien, tant que vous le pouvez. Et que la fête commence. Yay! Bravo! Bravo! C'est la fin du jeu! Et j'espère que ce let's play vous aura plu. Oh Luigi, tu es trop beau. Tu es magnifique. Pioup, pioup. Et donc, c'est l'heure de se dire au revoir sur ce magnifique crédit. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Paper Mario? Ah, mais ce jeu, il est tellement génial. Même si c'est mieux dans le 2, c'est quand même génial comme jeu. En plus, je suis content de pouvoir... vous avoir montré ce petit hack que j'ai fait moi-même. C'était pas facile parce qu'il fallait redimensionner les Mario et tout ça. Mais c'était super. Et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé se faire ce let's play. Ah, Dambou, tu es magnifique. Vous êtes tous magnifiques, les partenaires. Oh, attends, cette musique, je la connais. Ta ta ta. Je sais plus. Oh, il fait des explosifs avec sa tête, il est trop fort. Et donc du coup, ben, quelle était la partie du moment que du let's play que je préférais le plus? Bah, ben, j'avoue que même si le château d'Ouba Bouba est un peu pénible et que l'environnement un peu désertique ravin, c'est pas idéal. Ils ont des mains. Enfin bref, même si c'est pas idéal, j'aime bien ce moment-là. C'est un de mes préférés. Le moment que j'ai moins aimé, le château de Bowser, ouais. Le château de Bowser, il est pas très intéressant, il est un peu long, un peu lourdingue. Bon après, il est pas mauvais pour autant, mais c'est le moment le plus long là où on a envie de que le let's play se finisse et tout ça. Waouh, trop fort. Bravo, tu t'en coupes pas. Oh. C'était une maman. Ou un papa poule.
Bravo! Bravo! Plein de nouveaux bébés. Alors, mon boss favori. Alors, mon boss favori, c'est pas Touba Booba. Même si j'avoue que c'était assez intéressant, la technique du cœur et tout ça. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Touba Booba, il vole! Hé, rendez-moi mon cœur! Rendez-moi mon corps! Hé, jamais de la vie! Oh là là! Bon, l'île des Yoshi, elle est super jolie par contre. Ça, je veux bien avouer. Le volcan, il est un peu pénible aussi, mais l'île des Yoshi, elle est bien. Mon boss favori reste quand même le général Mas, je pense. Et mon boss DCC, ben, c'est Bowser, parce qu'il est méchant, il est terrible. Ouais, vous êtes magnifique, le mana géant. Bravo, mana géant. Bravo, les Yoshi. Yoshi. Yoshi quoi? Yoshi Island. Non, juste Yoshi. Oh, juste Yoshi. Bon. Mario et Yoshi, item. Ok. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu. Bon, certes, j'ai pas fait toute la quête des lettres, toute la quête des morceaux étoiles, et tout ça, mais bon. Oh, les petits Yoshi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, mais c'est quoi ça? C'est un marshmallow? Oh, ah d'accord. Vous mangez des nuages, en fait. Oh, ça a l'air bon. Marshmallow, marshmallow. Oh, j'ai faim. Enfin, ça serait bien de créer des personnages comme ça. Ou comme la princesse Xampi et des choses comme ça. Ça changerait un peu des personnages classiques. Ou du classique Bowser. Oh, c'est un copieur. Oh, mais il y a encore d'un copieur. Oh, purée, il y a plein de copieurs partout. Ah, il est pas content. Ah, c'est lui le vrai. Oh, Troupa Junior. Ah, il se bat avec Mamie Koopa. Ah, mais Mamie Koopa, t'as aucune chance, tu sais faire apparaître que des blocs. Lui, il est doué. Oh, ils font des tournées de marteau. Ça n'empêche que je vous aime pas quand même, les frères marteau. Là, ma réaction face aux frères marteau, c'est comme celle de Bowser. Oh, vous avez détruit Bowser. Oh, le pauvre. Ah, il s'est énervé, hein. Il était pas content. Mais c'est la fin du let's play. Mais non, c'est le défilé de nuit, voyons. Et ouais. J'aime bien ce crédit. Ils ont mis le paquet. Oh, les pingouins. Ils font du patin à glace sur de la terre. Je sais que le patin avec roller, ça existe, mais... ça va faire mal, du patin à glace sur des... sur de la terre. Oh. Alors? Alors tu chantes comme Malone, avec une fausse voix. Oh là là. Oh, les Super Daisy. Ah, désolé les gens, je n'ai pas fait un entraînement à la Super Daisy dans le let's play. Mais bon, c'était juste pour pas perdre du temps. Ils sont tous là. Yay. Le soleil. Soleil, qu'est-ce que tu fais là en pleine nuit? C'est pas normal. Je pense que c'est un menteur, le soleil. Ah. Ouais, les mascasses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu fais avancer quoi, mascasse? D'ailleurs, là, je vous pose une question. Mais alors, est-ce que c'est les personnages qui avancent ou est-ce que c'est la caméra qui bouge? Laissez votre choix dans les commentaires. Général Mas, t'es le meilleur boss du jeu. Sans hésiter. Yay. C'est la danse des mascasses. Et on vous présente le mascasse qui tombe. Oh, c'est triste, dans le let's play. Enfin, dans le crédit même. Waouh. Les toads sont lumineux.
Alors ils ont pas de cheveux. C'est juste un chapeau. Comme dans le dessin animé. Oh là là, c'est pas normal. Ou alors c'est des taux de fluorescents qui sont nés comme ça. Ça va pas être pratique. Mais ils doivent avoir la cote chez les princesses. Et chez les Toadettes. Ah, Mario! Espèce d'opportuniste! Alors comme ça, tu es venu comme ça? Alors que tu n'as rien fait pendant tout le let's play? Espèce de touriste! Ah, la prochaine fois, tu seras là, hein! Sinon, je vais m'énerver! Et voilà! Et j'espère que ce let's play vous aura plu, comme je l'ai dit. Je sais pas s'il y en aura d'autres, des let's play comme ça. J'y travaillerai. Mais pour l'instant, ce sera tout. Et j'espère que cette... Ah, finalement, Mario a disparu de nouveau. Ah, Peach. Et Peach, c'est le tête-à-tête final. Allez. Au revoir, tout le monde. J'espère que ça vous aura plu, ce let's play. Malgré la partie qui est assez longue. Et au revoir tout le monde. À bientôt.